Je dois vous avouer que cette montre m'a toujours étonné. Et ce, depuis le jour où on me l'a offerte. C'était il y a longtemps. Et je m'en rappelle très bien. C'était un jour de Noël. Elle m'étonne parce que je n'ai jamais eu besoin de l'ajuster. Elle est d'une précision remarquable. Néanmoins, même cette montre, aussi précise soit-elle, pourrait dans certaines situations accuser un retard, car le temps n'est pas un absolu. Le seul absolu qu'il m'a été possible d'expérimenter, c'est la lumière. Mais je ne vous parle pas de celle voyageant à plus de 300 000 km à la seconde, oh non. Il s'agit d'une lumière encore plus spéciale. Mais je ne peux pas vous en parler sans vous raconter l'histoire de cette montre et de son propriétaire, William H. Anderson. Le temps. On dit de lui qu'il est la force motrice de l'univers. Sans commencement ni fin, il s'étend depuis l'infini vers l'infini, poursuivant sa course sans jamais s'arrêter. Il est une force implacable se déroulant devant nous, marquant le passé, le présent et l'avenir, d'un mouvement incessant. Notre histoire commence par un accident tragique le jour de Noël.
Le 25 décembre 1905, un accident ferroviaire majeur est survenu au centre du pays. Deux trains sont entrés en collision à la suite du dysfonctionnement de la montre d'un responsable. Cette tragédie a forcé les autorités à améliorer la synchronisation de tout le système ferroviaire. À partir de cet instant, l'équilibre du système ne dépendrait plus que d'une seule chose, la synchronisation. On dit que le temps file, se dérobant fréquemment à notre compréhension. Mais en réalité, le temps est immobile. Tout comme ce paysage devant nos yeux. C'est le mouvement du train dans lequel nous voyageons qui crée cette illusion de défilement. Peut-on dire alors, comme le pensait Newton, que le temps est absolu? Il y a forcément une explication. Monsieur Anderson, un courrier est arrivé pour vous. Cher William H. Anderson, je m'adresse à vous en tant que délégué testamentaire, chargé de vous transmettre cette lettre de la plus haute importance. Elle concerne le malheureux incident ayant causé la mort de votre père, M. Henry H. Anderson, en novembre dernier. Incident qui, comme vous le savez sans aucun doute, résulte d'une collision entre deux convois de train. L'incident serait vraisemblablement attribuable de manière paradoxale au dysfonctionnement de la montre de votre père qui exerçait ses fonctions d'inspecteur général du temps pour le compte du réseau ferroviaire national. Dans son testament, votre père tenait à vous remettre ce présent 6 juin, avec pour seule mention « Le secret de l'infini réside dans les rouages mystérieux du temps. » Prends garde de ne pas t'épuiser, fiston, à courir après le vent, car tôt ou tard, tu réaliseras qu'il y a des horloges que seul Dieu peut régler. Veuillez accepter mes plus sincères condoléances pour la perte de votre père. Avec toute ma considération, Bernard. Ce n'est pas la montre. Ça ne peut pas être la montre. Je dois trouver le problème. Je dois le trouver. Il le faut. Je n'ai pas d'autre choix. Me voilà donc maintenant successeur de mon père dans le rôle d'inspecteur général du temps. Un bien drôle de titre que celui d'inspecteur général du temps. On pourrait presque croire que je puisse avoir une quelconque influence sur lui. Pourtant, après une vie entière, avoir étudié le sujet, me voilà toujours bien incapable d'en saisir ne serait-ce qu'une fraction. Si seulement je pouvais comprendre les équations qui régissent le temps. Si seulement je pouvais me soustraire aux lois physiques. Et arrêter le cours du temps. La relativité. Voilà ce qui a causé la mort de mon père. Bernard, expliquez-leur.
Eh bien, vous savez, la théorie d'Einstein, ce grand scientifique, eh bien, la relativité restreinte est une théorie qui nous apprend que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Et ce, en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Un peu comme si chaque observateur avait son temps propre. Le temps n'est pas un absolu. La lumière, par contre, oui. C'est ainsi que M. Anderson Père, inspecteur général du temps, constamment en déplacement et si confiant en l'infaillibilité de sa montre, planifia les horaires des trains avec une précision méticuleuse, parfaite. Cependant, il oublia quelque chose d'essentiel, de crucial, de fondamental, d'extraordinaire, de tout à fait... Il ignora les variations subtiles dues à sa propre vitesse de déplacement, accumulant ici un retard qui s'est multiplié au fil de ses voyages, millisecondes après millisecondes, minute après minute, Bernard, plus simplement. Veuillez pardonner mon excès d'enthousiasme pour la science. Bon, pour le dire plus simplement, il s'est en quelque sorte désynchronisé lui-même, allant jusqu'à provoquer ce tragique accident. La mission, maintenant, de M. Anderson Fils était claire. Empêcher toute désynchronisation du système, afin de prévenir un nouvel accident aussi effroyable. Année après année, il se déplaçait de gare en gare, respectant toujours le même ordre, arrivant invariablement au même moment en cette nuit de Noël pour ajuster avec une précision inouïe les horloges du monde. Joyeux Noël et bon temps des fêtes! Avez-vous remarqué que les étoiles semblent briller davantage le soir de Noël? Par l'étoile inventée.
chant des anges vient éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu qui est sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Ou ton amour plus fort que la mort.
les hommes en tout lieu. Vois et salue le Fils de Dieu. Chantez, chantez, chantez. Chantez-moi. Chantez, chantez, chantez. Chantez-moi. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez, chantez. Oui, chantez. La principale fonction de l'inspecteur général du temps consiste à veiller à la synchronisation des horloges de toutes les gares du système ferroviaire. Alors que la ville bouillonnait d'activité en raison de l'effervescence provoquée par les festivités de Noël, Anderson se mit à réfléchir à l'ampleur de sa mission. Et cette valise, et ce mystérieux objet dont il ne connaissait ni l'origine, ni la fonction. Avait-il un rôle à jouer dans cette mission?
L'heure était venue, le temps de la synchronisation annuelle. Quelques années s'étaient écoulées. Dans le tumulte d'une guerre mondiale, William H. Anderson
retrouvait cette même gare. Le problème, ce n'est pas la montre. Ce n'est pas la montre. Ça ne peut pas être la montre. Je dois trouver. Il le faut. Je n'ai pas d'autre choix. Année après année, à chaque synchronisation, un doute s'installait dans son esprit quant à la pertinence de son système bien rodé. Existe-t-il quelque chose, quelqu'un, quelque part, hors du temps, qui observe nos vies avec une compréhension bien au-delà de la nôtre? Quelqu'un qui voit le tableau complet d'un seul coup d'œil, avec une perspective qui va au-delà de nos vies éphémères? En cette période de conflit touchant chaque être humain, homme ou femme, et ce, de par le monde, il allait faire une terrible découverte. Non seulement la synchronisation finissait invariablement par échouer, mais pire encore, d'année en année, elle se rapprochait inexorablement du point de rupture. Joyeux Noël et bon temps des fêtes. Avez-vous remarqué que les étoiles semblent briller davantage dans la noirceur de la guerre? Ce doit être cela que l'on appelle le miracle de Noël.
Savais-tu que ce nouveau-né est le divin créateur? Marie, savais-tu que ce nouveau-né sauverait tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi? Ce garçon que tu as enfanté, il est aussi pour toi. Marie, savais-tu que ce nouveau-né enseignerait les sages? Marie, savais-tu que ce nouveau-né calmerait les orages? Savais-tu que ce nouveau-né est connu dans les cieux? Lorsque tu caresses, il est aussi ton Dieu. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Thank you.
que ce nouveau-né est l'agneau immolé. Ce garçon que tu as enfanté, il est le En cet instant inattendu de fraternité, ce moment de grâce, en plein cœur de la guerre, un soldat s'approcha de William H. Anderson et prononça les mots suivants. « On m'a toujours dit qu'il y a des horloges que seul Dieu peut régler. » Il régnera à tout jamais.
du monde donné pour nous, Une nouvelle fois, l'heure était venue, le temps de la synchronisation annuelle.
Ce n'est pas la montre. J'en suis persuadé, ce n'est pas la montre. Ça n'a jamais été la montre. Mais je dois trouver. Je n'ai pas d'autre choix. Cette année, je le sens. C'est ma dernière chance. Le temps avait continué de filer. Après cette période sombre, William Anderson était de retour à la même gare, comme il le faisait année après année. Et alors que le monde se reconstruisait dans un élan de solidarité générale, Anderson fils était le témoin de ses propres doutes et réflexions. Ce qui me manque, c'est la clé de toute cette énigme. Où se cache le sens? La clé de cette quête incessante? Où devrais-je chercher pour comprendre? Je le sens. Mon temps touche à sa fin. C'est ma dernière chance. Joyeux Noël et bon temps des fêtes! Avez-vous remarqué que la poussière est retombée? On peut enfin apercevoir les étoiles briller. Au plus profond de lui-même, il ressentait, il pressentait que cette année serait sa dernière tentative pour synchroniser ce qu'il percevait comme étant impossible. Ses forces semblaient l'abandonner. Son courage également le quittait. Et à l'aube de cette nouvelle nuit de Noël, dans cette même gare, il fallait trouver la clé qui synchroniserait les horloges du monde entier. Fais-tu ressortir la joie, elle nous environne, c'est Noël. Tout autour de nous scintille, aux glorieuses nuits, c'est Noël. C'est le plus beau jour de l'année. C'est le plus beau jour de l'année. Venez le célébrer. Venez le célébrer, c'est Noël, soyons dans la joie, Jésus est là. Venez le célébrer, c'est Noël,
Je sais qui vous êtes. C'est vous, monsieur des horloges. Le monsieur des horloges. Eh oui. Mais je suis complètement épuisé. J'ai passé ma vie à essayer de synchroniser les horloges du monde entier. J'ai passé ma vie à courir après le vent. C'est comme si tout ça n'avait servi à rien. C'est comme si ma vie n'avait aucun sens. Il manque toujours quelque chose. Il y a comme un vide, un grand vide, infini. Vous savez, ma mère m'a souvent parlé de vous. Elle me disait toujours qu'il y a des horloges que seul Dieu peut régler. Que seul Dieu peut régler, oui.
Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Pour changer notre vie en espoir. Au-delà de toutes frontières, quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Alors que William H. Anderson semblait perdu, qui aurait pensé que la solution à sa quête infinie viendrait de la bouche d'un enfant? Et c'est à ce moment précis que mon grand-père reçut des mains de M. Anderson cet objet qui marquerait le temps de toutes les générations de notre famille jusqu'à aujourd'hui. La pensée de M. Anderson était fondée sur des révolutions scientifiques et selon les principes des grands savants de notre histoire. La relativité, la chute des corps, Aristote, Galilée, Einstein. Il était sur le point de réaliser que ce qui lui manquait, c'était une révolution plus intime, une révolution personnelle.
un gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini. Des années plus tard, mon grand-père me raconta ce qu'il avait dit à l'oreille de M. Anderson ce jour-là. Le problème, ce n'est pas la montre, M. Anderson, c'est votre cœur. Nous sommes tous des horloges désynchronisées. Son amour te donne la vie.
Wow! Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à toute l'équipe d'Infiniment Noël 2023? Ils vont revenir dans quelques minutes pour la conclusion du spectacle avec deux grands classiques, le Minuit chrétien et Joie dans le monde. Nous en sommes à notre 30e spectacle de Noël Nouvelle Vie. 30 ans. Pour vous donner une idée, que vous puissiez comprendre un peu le chemin parcouru, lorsque l'Église a commencé, il y a 30 ans, c'était juste une poignée de personnes. Et croyez-le ou non, c'est moi qui chantais le Minuit chrétien. Je ne comprends pas l'éclat de rire, mais je vais continuer quand même. La première année, petit groupe, quelques dizaines au début, et une petite chorale derrière moi. Et lorsqu'arrive le moment de chanter, celle qui jouait le piano, le keyboard, s'appelle Annick. Elle est encore avec nous 30 ans plus tard. Et Annick, tout simplement, dans sa nervosité, lorsqu'on a commencé le Minuit chrétien, elle a accroché quelque chose et elle l'a monté de quelques tonalités. Vraiment. Alors, lorsque le Minuit chrétien commence avec « Minuit chrétien », tu sais que l'heure solennelle va être douloureuse. Tu sais que le peuple à genoux va vraiment être à genoux. Les veines qui sortent dans le cou, le postillonnage vraiment dégoûtant. Et derrière moi, c'est la chorale était terrifiée, des petites mamies qui perdaient connaissance dans la chorale un moment. D'anthologie. Deuxième ou troisième année, on avait un beau décor et en plein cœur de mon message de la fin, il y a un garçon qui court à l'arrière, il a accroché un câble et le décor est tombé, la moitié presque tombé sur moi, il était juste au-dessus de nous, le décor était suspendu, presque tombé, et il y avait des personnes, des bénévoles qui le tenaient, le retenaient, dont un, je me souviens, son visage me regardait, il disait « As-tu fini ton message? » Avant, on a passé un cheveu que les décors s'écroulent sur nos petits bouts de choux. Et il y a quelques années, ça c'est récent, traumatisme récent, on avait une idée qui était vraiment géniale. On s'est dit, on avait des artistes de cirque comme ce soir, mais on avait un artiste qui montait, descendait un câble jusqu'au plafond. C'était de la haute voltige, de l'acrobatie aérienne. Et lorsque on se préparait, on a dit, dans le spectacle, à un moment donné, on va dire, peut-être qu'il y a-t-il un volontaire dans la salle. Et là, il y a quelqu'un qu'on avait préparé, bien sûr, qui était un professionnel, qui courait sur le stage et il montait. Et là, tout à coup, lorsque le personnage dit, est-ce qu'on a un volontaire? Il y a un monsieur de la salle, un spectateur très, très, très corpulent, qui s'est mis à courir sur le stage. Je crois qu'il avait commencé à célébrer Noël un peu trop tôt. Court sur le... Vous auriez dû entendre ce qui se passait dans le micro. C'est qui, lui? Il s'en va où? Qui va l'arrêter? Et on a tout ça, tout à coup, toute la salle a été traumatisée de voir le monsieur commencer à monter le câble dans une scène burlesque. Alors, une parole importante ce soir, dites à la personne à côté de vous, reste assis à ta place. Est-ce que vous mesurez, je vous répète, le chemin parcouru? Est-ce qu'on peut remercier l'équipe aujourd'hui où on est rendu? Le message du spectacle Infiniment Noël 2023 est que Jésus est venu resynchroniser et remettre à l'heure toutes les montres de l'histoire humaine qui sont déréglées sans lui, pour offrir un aujourd'hui dans les textes des Évangiles lorsque l'annonce de la naissance de Jésus arrive. Le ciel dit car c'est aujourd'hui et c'est un aujourd'hui qui est perpétuel. Aujourd'hui, de jours nouveaux, perpétuels, est offert à chacun de nous. Et lorsqu'on parle de c'est une réalité historique que toutes les montres du monde, tous les cadrans, toutes les montres, toutes les horloges du monde, du Big Ben à Londres à ton téléphone cellulaire, à ton agenda électronique, à chaque fois que tu écris ou tu tapes une date, quel que soit le calendrier, l'histoire nous rappelle, toute l'histoire est séparée en un avant et un après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre de l'an 2023, après Jésus-Christ. L'histoire entière est marquée par un avant et un après. Et comme l'histoire humaine a recommencé à neuf avec la venue de Jésus, nous pouvons aussi connaître une nouvelle vie,
un nouveau départ, un nouvel espoir en Christ. Noël, c'est Dieu qui offre son Fils qui est venu se revêtir d'humanité pour resynchroniser toutes les facettes, non seulement de l'histoire, mais de ton histoire, de l'expérience humaine, pour des multitudes, une personne à la fois. L'idée fondamentale, la pensée et l'idée fondamentale de notre spectacle Infiniment Noël 2023, c'est que nous sommes tous et toutes des horloges désynchronisées. Comme dit l'enfant dans un soir que nous venons de voir, nous avons tous tendance, en tant qu'êtres humains, à se désynchroniser de Dieu. Tout comme dans cette histoire où l'homme essaie de tout résoudre par lui-même. Avec ses propres forces, nous tentons de naviguer seuls les complexités de la vie. Pourtant, la vraie révélation, c'est que Dieu a déjà pourvu ce qui nous manque. La foi est comparable à ce trésor, toujours à notre portée. Si on lui donne une place dans nos vies modernes tellement frénétiques, où nous nous arrêtons, même ce soir, bien peu, juste pour simplement prendre notre souffle et ouvrir notre cœur. Infiniment Noël, je vous le dirai de cette façon, Infiniment Noël, c'est Dieu qui dit à l'humanité, et à toi et moi dans la chambre secrète de nos cœurs, c'est Dieu qui nous dit, mets ta tête sur mon épaule, toi qui en as tant besoin. Tous les Québécois connaissent ces paroles magnifiques de cette chanson des Cowboys fringants qui a été chantée partout à travers le Québec. Ça a été nommé la chanson de l'année. Des gens, j'ai lu hier un article qui disait que c'est la chanson qui va être le plus chantée dans toutes les parties de Noël, dans toutes les karaokés possibles. Nous avions demandé au ministre Bernard Drinville de venir la chanter, mais il n'était pas disponible. 90 000 personnes l'ont chantée cet été avec Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, quelques mois avant son décès tragique à un cancer à l'âge de 47 ans. C'était un deuil national, une funéraille nationale. Et comme les poètes de la Bible et les poètes de l'histoire, les écrivains, les artistes ont une façon de mettre en mots simples mais profonds, de capturer l'émotion du cœur de multitude. Je voulais une strophe de cette chanson magnifique. « Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que de la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. Non, j'aime pas ça quand tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. » Savez-vous que dans la Bible, l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, il est arrivé dans la ville d'Athènes et s'est mis à citer les poètes de la Grèce antique. Pourquoi? Parce qu'ils sont le pouls, ils sont le baromètre de l'âme, du peuple et d'une époque. La raison pour l'attachement profond, il semble, du Québec entier aux paroles de chansons comme celle-ci, c'est qu'elles viennent rejoindre quelque chose, elles viennent résonner, elles viennent parfois refléter une soif intérieure qui est ressentie par tous. Est-ce que vous avez déjà pensé, quelle était la première fois dans l'histoire que cette pensée, que cette phrase a été prononcée? « Mets ta tête sur mon épaule, toi qui en as tant besoin. » J'aimerais vous proposer que la première fois de l'histoire où elle a été prononcée, c'est dans un verset de la Bible qui annonce la naissance de Jésus, qui annonce infiniment Noël. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9 et verset 1, nous lisons, « Le peuple qui marchait dans l'ombre, qui vivait des jours sombres, voit une grande lumière. » Ça, c'est infiniment Noël. « Ils vivent une joie comme lorsqu'on découvre un grand trésor. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ça, c'est Noël. Et regardez bien la suite. « Et toute la force, l'espoir et le pouvoir reposeront sur son épaule. » Noël, c'est Dieu qui te dit, mets ta tête sur mon épaule, toi qui en as tant besoin. Et toute l'intentionnalité divine à l'égard de chaque personne est dans la description qui va être faite de la naissance de Christ, mais non seulement de sa naissance, mais de ce qu'il offrait à chaque être humain. On l'appellera incomparable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix.
et son règne de paix sera infini, infiniment Noël. Son règne de paix sera infini pour soutenir et donner des forces. Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, le ciel annonce sa naissance et veut que tu réalises qu'il n'est pas seulement, il n'est pas seulement car un enfant nous est né, il n'est pas seulement un enfant dans la crèche, mais il est infiniment, il est le Dieu infini. Le mot veut dire sans limite. Il est le Dieu qui indique, infini qui indique une qualité extrême qui ne peut pas être altérée, limitée ou arrêtée. Noël, c'est notre Dieu sans limite qui te dit, viens mettre ta tête sur mon épaule. Toi qui en as tant besoin, viens à moi, reviens à moi. Car toute la force, tout le pouvoir, tout l'espoir illimité de Dieu reposera sur son épaule. Des chansons comme celle-ci, mets ta tête sur mon épaule, nous rappelle et illustre magnifiquement, met des mots sur la capacité que nous avons entre êtres humains, une tête sur une épaule de réconfort, d'amour, de tendresse, de consolation. Mais pourquoi avons-nous besoin de mettre notre tête sur l'épaule de Dieu, d'une aide qui est divine? Parce que les meilleures, les plus fortes, Les plus aimantes épaules, si je peux le dire ainsi, les plus fortes épaules humaines ont leurs limites humaines. Parfois, nous avons vécu ces saisons. Il y a des gens qui sont ici et en ligne qui regardent ce concert, ce spectacle ce soir. Il y a une épaule sur laquelle tu t'étais appuyé dans un moment de ta vie qui n'est plus là. Où tu as vu les limites d'une épaule qui est partie ou qui est simplement manquante. Il y a aussi toute cette dynamique, et les parents me comprendront, il y a toute cette dynamique des moments de nos vies où on voudrait être une épaule pour quelqu'un près de nous. On voudrait être une épaule de consolation, on voudrait les rebâtir, on voudrait les protéger. On voudrait être une épaule pour quelqu'un près de nous, mais alors que nous-mêmes, souvent, avons besoin d'une épaule parce qu'on se sent, on sent que nous, ce que nous portons, ce que nous vivons, ce que nous traversons en ce moment est déjà trop lourd pour mes épaules. J'ai besoin d'une épaule au-delà de la mienne. Écoutez encore une fois les paroles de cette chanson magnifique, la deuxième strophe. On vieillit, les années passent et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse. On essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule, toi, pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Nous avons tous, on est honnête, nous avons tous des sentiments dans les dernières années, et même dans cette dernière année, des sentiments, le sentiment qui balaie nos cœurs, que nous vivons dans un monde autour de nous, parce qu'il y a tellement de choses qui semblent tenir avec de la broche. Un monde qui est incertain, qui est troublé, qui est instable, qui est insécurisant, et souvent, qui est cruel, qui est en conflit, qui semble hors de contrôle. De l'Ukraine à Gaza, à la récession, à l'éco-anxiété, à l'économie, au taux d'intérêt, à l'explosion du coût du logement, l'explosion du coût de la simple épicerie, des choses de la vie de tous les jours, au système de santé et d'éducation qui semble tenir à un fil, aux enjeux de santé mentale, aux idées noires que plusieurs combattent alors qu'on arrive à la fin de l'année. Tellement, tellement de gens portent des fardeaux sur leurs épaules qui leur semblent trop lourds. Et parfois, c'est nous. C'est nous qui, on se sent comme si c'était nous qui tenions avec la broche. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu cette année, qu'est-ce que tu as traversé, mais c'est certain qu'il y a des gens qui sont ici, qu'il y a une partie de ta vie qui semble s'attirer avec la broche. Mes rêves, mes aspirations, ma famille, mon cœur, mes enfants, mon mariage, ma vie, c'est comme si ça tient avec la broche. Eh bien, je veux te dire qu'infiniment Noël, c'est Dieu qui dit, je suis plus qu'un petit enfant dans la crèche. Un enfant nous est né, oui, un fils nous est donné, mais on l'appellera l'admirable conseiller. Dans la notion, dans la culture hébraïque, le conseiller était celui, était quelqu'un qui était assigné dès la naissance à un enfant qui était celui qui le nourrissait, le protégeait, qui était le plus proche de lui, qui donnait tout ce qu'il pouvait pour le voir grandir et s'épanouir. Je veux te dire que Dieu est celui qui te connaît plus que quiconque, plus que tu te connais toi-même. Et c'est tout ce que tu as vécu, où tu en es aujourd'hui, pourquoi tu es comme tu es, pourquoi tu traverses ce que tu traverses et comment il peut t'amener, comment il peut te libérer, comment il peut te soulager de ce fardeau que tu portes et parfois de juste un sens d'essoufflement, de déception.
Il met ta tête sur son épaule parce qu'il n'est pas seulement l'enfant dans la crèche. Il est infiniment puissant. On l'appellera un enfant qui nous est né, mais on l'appellera le Dieu puissant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est décrit ainsi, un Dieu infiniment puissant? Parce qu'il y a des passés, des combats, des blessures, des fatigues, des déceptions que nous traversons, que nous ne sommes pas capables de renverser par nous-mêmes. Nous avons besoin d'une épaule qui est plus forte que la nôtre. Vous savez, après 40 ans enseigner la Bible, on me demande souvent quel est ton verset de vie. Mon verset de vie est en quelques mots trouvé dans l'Évangile de Jean, et c'est le verset de vie parce qu'il décrit ma vie, mais aussi comme pasteur. Il décrit la vie de tellement... J'ai apporté la parole dans 55 pays du monde. J'ai vu cette réalité, cette vérité s'accomplir, cette réalité s'accomplir dans la vie de tellement de gens. Dans l'Évangile de Jean, il dit, et il est écrit, c'est l'histoire de ma vie. « À celui qui croit, qui met sa foi en Jésus, il donne le pouvoir de devenir. » Le pouvoir de devenir. Est-ce que de devenir la personne qui te semble inatteignable, de devenir la personne, l'homme, la femme, le père, la mère, la personne que Dieu voulait que tu sois et que toi, tu rêves d'être. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut encourager quelqu'un et témoigner, je sais que c'est vrai, j'ai connu la puissance de devenir, j'ai connu... voulez-vous le témoigner pendant un instant, alors qu'on arrive vers la fin? Mets ta tête sur son épaule, il est infiniment prince de paix. Et à l'accroissement, au progrès de son règne de paix, il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de fin. J'aimerais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est infini. Ça veut dire qu'il n'est jamais, tu ne peux pas être trop loin. Tu ne peux pas avoir vécu une trop grosse déception, trop gros déchirement, trop gros abandon, trop grosse blessure, même du plus lointain passé à cette année 2023. Tu ne peux pas avoir été trop loin pour que sa paix ne puisse pas te rebâtir. Et il n'est jamais trop tard. Son accroissement de paix, ce n'est pas une formule magique, mais dans la mesure où tu vas lui faire une place et te rapprocher et lui ouvrir ton cœur, il va rétablir son royaume de paix. À la paix qu'il peut donner, il n'y a pas de fin. Elle est infinie. Dieu dit, mets ta main sur mon épaule. Toi qui en a tant besoin. C'est vraiment la grande différence entre la foi chrétienne et toutes les autres fois. Tous les autres systèmes religieux mondiaux. Écoutez-moi, tous les systèmes religieux mondiaux ont une pensée, ont une façon, c'est simplement une théologie de « il faut, qu'est-ce que toi tu peux faire pour gravir, pour mériter l'approbation de Dieu, pour mériter sa faveur, pour mériter ton ciel. » La foi chrétienne, c'est Jésus qui a tout fait pour toi. C'est lui qui est venu vers nous, c'est ça, Noël, et qui accomplit tout pour nous. C'est lui qui offre sa paix, qui offre son pardon, qui offre sa puissance. Et notre part est de reconnaître notre besoin et de le recevoir. Et c'est la dernière pensée alors que nos chanteurs se préparent. Lorsque nous lisons le récit biblique de la naissance de Jésus, il y a des personnages qui nous sont familiers. Marie, Joseph, les mages, les bergers. Mais il y a un homme qui ne se retrouve jamais sur une carte de Noël, verset, ou qui ne se retrouve jamais chanté par une chorale lors d'un spectacle de Noël, mais sont un homme dans les récits, enfoui dans les récits des Évangiles. Pourtant, il est infiniment proche de nos réalités, infiniment important, et même infiniment décisif pour déterminer quelle mesure tu vas recevoir de l'infiniment Noël que Dieu nous offre encore aujourd'hui. Déterminer si aujourd'hui va seulement être un bon concert, ou la possibilité que ça soit vraiment un véritable commencement. Dieu dit, mets ta tête sur mon épaule, pas seulement pour que mon amour te frôle, mais pour que son amour devienne ta force, pour que son amour te donne une force intérieure que tu n'as jamais connue auparavant, si tu lui fais une place. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 7, « Et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » C'est une pensée hallucinante de cet hôtelier trop occupé. Avec tout ce qui tourbillonnait, il y avait un recensement et la ville était remplie. Et lorsque Marie, Joseph et l'enfant, cet homme, je pense à lui, il m'a percuté, il m'habite. Cette notion que cet homme a eue, le Fils de Dieu qui frappait à la porte, il n'avait pas fait de place, il n'avait pas de place. Qu'est-ce qu'il sait? Comment sa vie aurait-elle été changée s'il avait simplement fait une place à Dieu, à Jésus? Comment ta vie à toi pourrait changer? En cette dernière minute de ce dernier concert, je veux simplement vous inviter à faire une place à Dieu.
dans votre vie, votre cœur, votre présent, votre futur, dans vos pensées, dans vos projets, dans votre foi, de juste vous tourner vers lui. Elon Musk, l'homme qui a tout fait, qui a tout dit, qui sait tout, qui connaît tout, qui possède tout, dans un podcast qui a été visionné par des millions de personnes, a dit cette année, 2023, « Si Jésus sauve encore aujourd'hui, j'aurais bien besoin d'être sauvé. » Et moi aussi, et toi aussi. Et je veux vous remercier pour l'extraordinaire attention que vous m'avez donnée dans ces quelques minutes. Et si vous me permettez, avant que le tourbillon de la vie nous reprenne, le tourbillon des fêtes nous reprenne, je peux vous inviter à juste pencher la tête avec moi. J'aimerais prier pour vous et prier avec vous. Terminer dans un moment de recueillement et de prière. Alors, Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que pour chaque personne au son de ma voix dans cette salle, mais aussi les dizaines de milliers qui vont visionner ce spectacle en ligne. Tu connais tout de nos vies. Il n'y a jamais de foule devant toi, juste des personnes. Alors, tu connais, Seigneur, chaque besoin, chaque cœur. Tu connais cette personne qui a besoin de venir à toi, qui a besoin de revenir à toi, qui cherche la paix, qui arrive à la fin de l'année avec besoin d'une épaule au-delà de toutes les épaules humaines. Et je te prie maintenant, au Prince de paix, que tu viennes. Je te prie pour celui qui combat une dépendance. Je te prie pour celle qui essaie de chasser des idéations qui sont suicidaires. Je te prie pour la personne qui a tout et pourtant sent un vide à l'intérieur. Je te prie pour la personne qui a vécu un déchirement cette année, qui a vécu quelque chose qui a secoué, une déception tellement grande encore une fois. Je te prie, Seigneur, viens être notre Prince de paix et nous te faisons la place. Nous te faisons toute la place. Et viens régner dans ton cœur et nous déclarons, nous recevons, nous reconnaissons notre besoin de toi et nous recevons qu'à ton règne de paix, il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas de limite. Alors viens établir ta paix dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un grand Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Prince de paix alors qu'on termine ce soir? Sans plus tarder, accueillez avec moi l'ensemble vocal du spectacle Infiniment Noël 2023 qui nous chante le Minuit chrétien. Qui lui donne un sauveur.
tenteur a brisé tout entre âme. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit. Affirmait qu'au cœur de l'homme réside un vide prenant la forme de Dieu. L'histoire de William H. Anderson a véritablement débuté le dernier soir de la synchronisation annuelle lorsqu'il réalisa qu'au sein des horloges du monde, il existe un engrenage essentiel que seul Dieu peut combler. Le Rédempteur.